Salut! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus différente que d'habitude. Je vais faire un lookbook avec 5 donc, looks différents qui peuvent se porter soit au quotidien, donc tous les jours, soit des looks un petit peu plus travaillés pour par exemple sortir en soirée ou ce genre de trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On y va! Alors, j'ai précisé que tous les vêtements qui vont être utilisés dans cette vidéo n'ont pas été achetés pour la vidéo. C'était des vêtements que j'avais déjà. Et la plupart d'entre eux viennent soit de chez Zara, de toute manière, je noterai tout en barre d'infos, mais viennent soit de chez Zara, Maje. Je noterai en barre d'infos. Alors pour la première tenue, j'ai choisi une jupe en taille 36 de chez Maje et un col roulé bleu marine Zara en taille S. Les chaussures, elles viennent aussi de chez Zara. Et ce que j'aime dans cette tenue, c'est qu'elle a un petit air à la Bear Waldorf dans Gossip Girl. Ok, alors concernant le deuxième look, j'ai envie de faire quelque chose qui est beaucoup plus chill en jean, mais surtout avec l'indispensable, les hugs. Enfin, l'indispensable. L'indispensable quand on veut être en pantoufle dehors. Voilà, moi j'aime bien. Comme ça on est bien. Concernant le look numéro 2, je porte un haut en taille S de chez Zadig & Voltaire avec un jean en taille 36 de chez Zara. Il était super super long, alors j'ai dû faire un revers pour éviter de marcher dessus. Sinon, mis à part ça, je porte des hugs courtes grises et j'adore cette tenue. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'elle est très simple, mais le haut fait un peu tout. Ça rehausse le truc, quoi. Bref, voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ok, on arrive au troisième look. Alors pour ce look-là, on va faire un truc beaucoup plus chic. Pas chill, mais chic. Pour partir en soirée. Donc ça va être robe et talons. Voilà, j'ai hâte. J'adore cette robe, elle est incroyable. J'ai pas encore pu vraiment... Non, je l'ai même pas portée. Je l'ai encore jamais portée. Et j'ai hâte. Donc voilà, allez. Concernant le look numéro 3, je porte une robe Maje en taille 36 et des bottes de chez Dolce & Gabbana. J'ai encore jamais porté cette robe dehors, mais je la trouve juste incroyable. Après, on va pas se mentir, c'est pas non plus la plus confortable du siècle, mais voilà, j'adore. Et ce combo-là, enfin ces chaussures, je les aime d'amour. Donc je ne suis que peu fière de cette tenue. C'est tout pour la tenue numéro 3. Maintenant, on va passer à la tenue numéro 4, qui est encore une robe rouge et noire, très jolie, qu'il faut accessoiriser, mais au top. Let's go! Alors concernant le look numéro 4, je porte une robe Zara en taille 36. Ce qu'il faut savoir avec cette robe, c'est qu'elle est très 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 fluide. Si je ne l'ai pas assez répétée, je peux le faire. Ce qui fait que si on ne la cintre pas comme je l'ai fait là, bah, elle va être super évasée, super large. Et donc bah, c'est dommage, ça perd un peu en raffinement. Voilà, c'est plus sympa quand elle est attachée. Bon pour le quatrième look. Maintenant, on va passer au cinquième et dernier look qui va être très simple. Jean, gros pull
Et pour les chaussures, je ne sais pas encore, c'est à voir. Mais voilà, c'est parti. Alors concernant le dernier look, je porte un gros pull de la marque Petra Hoffmann en taille M, un jean Zara en taille 36 et des Converse, plus précisément des Chuck 70, rouges et blanches. Gros coup de cœur sur les Chuck, je ne porte que ça, enfin que des Chuck 70 presque au quotidien. Il n'y a rien de plus confortable, je valide. Ok, c'est tout pour ce dernier look, look numéro 5. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, que ce soit au niveau des marques, mais aussi au niveau des tailles de chaque vêtement que j'ai porté. Donc voilà, d'ailleurs peut-être pour avoir une référence, je suis un 36 et 1m61,5. Je sais pas exactement au niveau de la taille, mais 61,5 ça se tient. Je ne dirai pas plus bas. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire des petits looks, mais jamais dans la vulgarité. Voilà, j'espère que vous aurez la référence. Mais la vulgarité, c'est pas chez nous. Et voilà, merci, bisous. Starting to think so recklessly, I may just write a letter home to say goodbye to everyone. And